Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Ark. Donc apparemment j'ai un mur à réparer. Pour une raison complètement incroyable. Ok, il fait un temps de chiottes. Je peux avoir une torche quelque part. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose autour de nous, il fait un temps de chiottes. On a froid. Je ne sais plus du tout où on en était, on avait... Oui, il nous fallait quoi encore? Oui, on avait placé de... on avait qu'à faire de quoi mettre une porte, une manque des murs et des toits. Donc j'ai posé, voilà, la touch door frame. Et la touch door. Donc, tirer. Voilà. Par contre, si on peut garder ça, voilà. Ah, c'est cool, la porte elle est genre bien cachée. Cette code pin. Du coup, chers amis, du coup, au cas où, je vais faire un petit ellipse. Raf, non. Non, pas de code pin, tant pis. On va pas faire de code pin. De toute façon, au pire, dans le pire des cas, faudra que quand je l'ouvre, faudra que ce soit à moi de rentrer le code à chaque fois, et du coup, non, c'est inutile. Je récupère un peu de bois. Hop. Alors, je dois vous avouer que je ne me rappelle plus trop ce qu'il nous fallait. Même si c'est passé à peine quelques heures entre les deux tournages. Roof. Ah oui, il nous fallait des fibres à chier partout. Et donc on avait dit des fibres et des fibres. Alors un instant. Déjà d'une, ça va faire passer le temps. Et de deux, moi je vais aller voir s'il n'y a pas un moyen de trouver des fibres un peu plus aisément. Ah, est-ce que ça brûle le charcoal? Non. Hop, light a fire. Hop, on va se mettre au chaud. Et je reviens tout de suite. Re, chers amis, donc mauvaise nouvelle, il faut simplement les prendre avec la main. Je vais quand même aller enlever ma lumière. Hop. 3 fibres. Quelques fibres supplémentaires. Pourquoi pas. Oh, il va y avoir quelques fibres là, non? Ah d'accord. Ah forcément, mes mails s'actualisent pile à ce moment là. Quelques fibres. Allez. Encore un petit peu de fibres. Donc, what? Il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, d'accord, donc il m'en faudra un peu plus. On va aller en chercher un peu plus. Et je pense que... Quel niveau il est, ce bestiau-là? Ah, ils sont plusieurs. S'il n'avait pas été plus... Ah, la pluie s'arrête, génial. S'il n'avait pas été plusieurs, je les aurais sûrement attaqués. Ne connaissant pas encore trop les fonctionnements des groupes, entre guillemets. Est-ce que je peux avoir ma... Non. Hop. De toute façon, j'ai de quoi bouffer, hein. Niveau B, j'ai de quoi bouffer. Ta. Voilà. You're hot. Ah bon, il fait chaud donc.
Écoutez, si la lumière se lève, si le soleil se lève. Non, pourquoi une dehors? Ah non, quelle naze. Mince. Non, je peux pas la déconstruire. Ah mince. Ah la gueule. Bon bah c'est pas grave. Faut savoir, j'avais chaud il y a 2 secondes. Alors du coup, bon réflexe à avoir, enlever ça. Très pratique pour les outils. Gaspillage pour le reste. Bonjour, je ne vous avais pas vu. Veuillez m'excuser. Hop. Bon, on va enlever la torche. Vite. Pète pas ma maison. S'il te plaît. Fais gaffe. Fais gaffe à ce que tu fais. Faut que je récupère mon bois. Ça secoue, hein. Repère. Bon, pourquoi pas. Donc. Mur, 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 voilà. 1, 2. Ah putain, il va falloir plus de touch. Parti. En somme, ça se passe plutôt bien, chers amis. Hop, repair. Niveau 8, mais il est balèze, c'est ça qui manque, c'est ça qui m'inquiète en fait. Voilà, et d'un seul coup. Hop, bon, ça se passe malgré tout assez bien. Hein. Hop, mangeons un coup. Hop. Alors, 1, 2, 3. Ça devrait suffire. Si je ne me trompe pas. Par contre, derrière, j'aimerais bien me faire un toit. Au moins un. Il me faudra encore 3. Niveau fibre, il me faudra juste... Bon, je vais commencer par mettre les murs. Hop. Non. Apparemment, j'en avais déjà fait un, donc j'en ai un en trop. Donc on va le mettre ici pour histoire de faire une demi-pièce. Use item. Hop, parfait. Dans ce cas-là, il aura fallu que je mette le truc là-bas. C'est pas grave. Alors, de ce côté-là, ça c'est fait.
ça s'ouvre, c'est parfait. Il va donc me manquer du toit. Et pour du toit, il me faudra du thatch. Du thatch. Tiens, petite question, est-ce que c'est comme ça que ça s'écrivait aussi dans Atlantide à propos du nom du héros? Ou est-ce que c'est moi qui me fais simplement des idées? Bon, ça c'était un petit arbre. Hein. Oh, un sac. Ah, pincoded. Qu'est-ce que c'est? C'est le dodo? Donne-moi ta viande! Donc ça, si je me trompe pas, là-bas, ce qui est là-bas, c'est un stégosaure. Putain, oui. Baisse de framerate quand je vois des trucs qui brillent, trop de trucs qui brillent. Ah bah là, je suis coincé, carrément. Oh la vache. Non, ça... Putain, il m'a foutu les boules avec son T-Rex, lui. C'est pas chez moi. Donc. 15, 15, 30, 15, 45. On devrait être bon. Sauf au niveau des fibres. Il va falloir une fibre de plus. Oh putain. Il m'a foutu les boules. C'est quoi là-bas, là? Ça a pas l'air sympa. Allez. Petite fibre, non? Il m'en faut une. Ah, bah voilà. Il va me voir si ça continue. Quoi que ce soit. Hop. Merci. Alors, notre petit toit. Parfait. Et ensuite, il faudra qu'on trouve quelques pots de bêtes. Pour pouvoir ensuite, tout simplement, faire nos... Ah mince, on va être short niveau fibre. Mais oui, la peau de bête va être utile quand même. Tirer. Ah la vache, n'attends que ça. Ah non. Hop. Et voilà, on a une maison, chers amis. Bon, c'est tout petit, c'est très très bas au niveau du toit. C'est une maison de véritable aventurier, à vrai dire. Il faut... Non, 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 non. Putain, non. Oh, nom de Dieu. Bon, bah, ça va me faire un auvent. Voilà, ça va me faire un auvent. J'aurai un peu d'ombre en arrivant. Lui par contre il m'inquiète. Ah et puis j'ai mon... Tiens, justement j'ai ma cuisine à faire, salut. Ok. C'est parti. Transfert.
bizarre. Bizarre, bizarre. J'avais dit que ça me semblait pas gentil comme bestiole, et ben je crois que j'avais raison. Il va me falloir du bois et des fibres. Hop. Le bois, j'ai récupéré le mien. C'est quoi cette bestiole? Oh la belle bête! Donc toujours des fibres, on va récupérer quelques-unes puis on va s'attaquer à cette bestiole-là. Je prends des fibres uniquement parce que je vais en avoir besoin en fait un peu plus tard. Si jamais je veux me refaire une deuxième lance. Oh putain, j'ai eu peur, espèce d'un instant. À vrai dire, j'ai toujours peur. C'est comme si c'était pas une. Enfin, ça semblait plutôt un bruit de carnivore qu'un bruit de. Forcément. Je brûle, littéralement. Je suis en train de brûler sur place, c'est cool. Alors, je vais me crafter une deuxième. Hop. T'es con, elle est où la bestiole de tout à l'heure? Là-bas. Voyons voir ce qu'on peut faire. Tu t'enfuis? Non! Eh oui, il y a un arbre. Voilà, je t'ai eu. Donne-moi ta viande. C'est cool ça, ça rapporte. Oh, j'ai pété. Putain. C'est quoi cette saloperie? Titanomirma. You kill de Titanomirma drone. Je sais pas ce que c'était que ce bordel. Il y aurait une espèce de fourmi. Je vais me rentrer, au moins me mettre au frais. Hop, boire un coup au passage. Un petit dessert. Peut-être fait une connerie là. Peut-être pour ma maison. Aïe!
J'ai peut-être fait une connerie. Voyons voir. Mettons du bois. Mettons la viande. Meurs, Charogne! Meurs, Charogne! Meurs! Elle est en train de péter ma maison! Ou je suis en train de péter ma maison, ça dépend. On peut le voir comme on veut. Allez! Tu vas crever! Ma maison! Ma maison! Non, je refuse! Je refuse de me laisser vaincre! Je refuse de me laisser vaincre! Je t'aurai! Je rêve ou elle est en train de me bouffer? What? What? Elle est lit. Je viens de faire caca, je crois. Elle est littéralement en train de me bouffer. Enfin, elle était littéralement en train de me bouffer. Non, trop tard. Littéralement en train de me bouffer. Si j'arrive à bouffer ma viande juste en arrivant, ça serait cool. Meurs, charogne! Et va-t-elle mourir? Qu'est-ce qu'il me faut pour crafter une lance? Des fibres, putain! Peut-être péter ma maison! Putain! Oh non, je crois qu'elle est plus rapide que moi maintenant. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam.
Y a plus qu'à espérer tomber sur des baies que j'aurai déjà en raccourci ma maison. Elle tape encore dans ma maison, je crois. Hein. Level up! Cool, level up. Bon. Melee damage. Ensuite, pour ce qui est de tout ça. On va dire, j'en ai aucune idée. Hein. On verra ça une autre fois, je pense. On verra ça une autre fois. Ce qu'il faudrait, c'est des fibres. Allons-y. Avant qu'elle ne pète ma maison complètement. Allez. Ah, ça y est. C'est parti. Ma maison! Ma maison! Ma maison! Tu n'iras pas plus loin! Ma maison! Ma maison! J'ai mis tout mon cœur et mon... Ah. Ripper. Falloir plus de touch et de fibres. Non! Ma maison! Ma maison! Je l'avais à peine fini. Je l'avais à peine fini. Quel monstre es-tu donc pour oser faire ça? Bon bah voilà, on y retourne. Donc plus jamais attaquer une bestiole juste à côté de la maison. Plus jamais. Ma maison. Oh zut, il y a de la viande en plus qui se barre en couille. Ma maison. Ma pauvre belle maison. Oh. Light a fire. Non, ça va être dans l'arbre. Dans la pierre, pardon. Alors. Voilà. Toujours plus de fibres. Tout ce que je voulais, c'était sa peau. À la place, il a détruit ma maison. Oh. Parfait. Bon. Réparons ce qui doit être réparé.
Ce qui peut être réparé même serait la meilleure des réponses. Bon bah, on va déjà faire ça, hein. La maison. C'est quoi ça? Des graines. On a de quoi manger? Oui. Bah c'est tant mieux. Et on va éteindre le feu. J'ai plus assez de tâches pour nettoyer, pour réparer le sol. Il va me falloir plus de bois aussi. Du bambou? Seriously? Du bambou? Le bambou, il y a des baies dans le bambou, c'est nouveau. Bon, c'est pas grave en soi. Ah, et j'ai soif aussi. Voilà. Oui, j'ai bien compris que t'as soif. On ne peut attaquer quoi que ce soit à côté de la maison. Ça, c'est une idée. Et elle est pas trop mauvaise. Alors, allons boire un coup. Voilà. Mangeons quelques baies. Ah, je suis fatigué. C'est bon, ça remonte. Bon. Au niveau du bout de mur que j'avais, je l'ai posé. Ah non, il est là. Voilà. Bon, bah attends, j'ai une ouverture sur le jardin. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la base, j'étais censé juste vérifier que j'étais pas mort. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. À plus pour d'autres aventures. N'hésitez pas à commenter vos conseils et vos idées. Ce serait toujours sympa. Merci les gens. Salut.